Ah, monsieur le président n'est pas là. Je vais en profiter quand même. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce canapé du président. Cette situation m'a saoulé, mais vraiment saoulé. On me parle de respect, des droits de tous et des mêmes droits. On en fait quoi? Merde alors! Calmez-vous, monsieur le président. Nous avons sélectionné un futur ministre. Nous devons sélectionner un futur ministre. Le droit du respect. Le ministre de Cureur Vigares. Voilà, je me montre. Oh, il y en a. Oui. Et les joueurs. Oui, les joueurs, ouais. Voilà. Oui, voilà. J'achète alors. Ah, d'accord. Dorine! Vous avez été rapide! Oui. Hervé? Il habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Saint-Lazare. Et pour lui tenir compagnie, une tortue de Canarie et une chatte. Je suis sincèrement désolé, monsieur. On vient de prendre quelqu'un en ligne à l'étang. Mais non, enfin, ne regarde pas ça, nous. Voilà. Ouf. Mon Dieu. Alors? Il est trop petit, hein? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Thank you.
Il n'y a pas d'argent. Non. Prenez mes crottes et la télé, ma grosse à ta mon revolver, la battue, ça c'est déjà fait, avec les éternels bancaires. Prenez ma femme le canapé, le micro, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, et même jusqu'à tout le monde à découvert. Je peux bien battre mon amour diable. Avec lui, on peut s'arranger, puisque tout ici négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Thank you.
Donc, je voudrais vous donner une promotion. Une promotion, je ne sais pas si vous la connaissez. Une promotion canapé. Donc, je vous promets un canapé si vous êtes gentil avec moi. Mais enfin, monsieur, je suis marié sous la porte et j'ai les droits. C'est votre vie privée. Ici, pas de vie privée. Juste les droits de l'employeur. J'ai tous les droits. C'est moi le boss! Tu le veux ce canapé ou tu le veux pas? Si tu es gentil avec moi, tu l'auras ce canapé. Un canapé de sans velours. Tu verras. Tu regarderas. C'est vrai que j'ai oublié de poser ma canne. Au moins une chose est sûre, c'est qu'elle ne me servira pas de prothèse. Bon. J'attends mon directeur. Oh, monsieur le grand directeur. Comment t'allais? Très bien. J'étais justement en train de féliciter notre nouvelle secrétaire après un mois passé parmi nous. Et donc, oui, on... Non, mais...
Tu la fermes. Tu la fermes. Après un mois passé parmi nous, ici nous respectons les droits et la vie privée des employés. Je ne sais pas si ça va failloter par la suite, mais enfin. C'est très bien. Pas vous me dire. Résistant, on pourrait répondre. Ne l'écoutez pas, lui. Il est dingue. Stop! Sa position. Dans le travail ou la vie privée, n'est-ce pas, on peut se respecter et respecter les autres. On peut être haut. On peut être haut, placé, mais droit et honnête. C'est de la connerie tout ça. C'est vraiment de la connerie. Bon, vous avez compris que si vous êtes gentil avec moi, je serai. Voilà, j'ai encore perdu du secrétaire. Mais je connais les calmer. Alors, je tiens à préciser qu'ils n'ont eu que à peu près 3 semaines de répétition. Bravo à tous, vous avez été super, je suis content de vous et je suis content de travailler encore avec vous depuis 6 ou 7 ans, je ne sais plus maintenant, à force. Merci. Merci à vous.